Bientôt c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Skyrim. Donc je suis actuellement à la recherche des bouquins de Chalidor en fait. J'ai aidé Ralis à continuer son exploration, son excavation de tombeaux, de tertres à Solsdame. Et du coup, en attendant que lui continue un petit peu à avancer, donc cette excavation que je lui ai financée, hein, cette fois-ci 5000 pièces d'or, donc 5000 plus 3000 plus 2000 plus 1000, je crois, 5, 3, 8, donc ça fait 11 000 pièces d'or quand même. Mais on trouve des items intéressants, les pièces d'armure d'Azidal, donc c'est quand même sympa, bien qu'elles me serviront sans doute pas en fait, on verra bien par la suite. Toujours est-il que pour cet épisode-là, on a pris un petit peu de distance, on est retourné en bord de ciel. Et avec comme défi de trouver des écrits de Chalidor. Et donc pour ça, j'ai rejoint le marqueur qui est ici. Donc on va prendre le cheval. Après, de toute façon, on n'est pas très loin. Allez, crin d'ombre. U. C'est vrai qu'à chaque fois, je le boude. Voyons voir. Où est-ce qu'on est par rapport à la map? Oui, vous voyez, c'est ici qu'on doit aller. Ah, attendez. Non, crin d'ombre, dégage! Il est fou lui. Il est trop enjoué ce cheval. C'est un coup à crever, ouais. Enfin, bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc là, en ce moment, voilà, une petite session d'enregistrement pour avancer, prendre un peu d'avance avant mon départ en congé. Il y aurait des écrits de Chalidor ici. Ok. Mais pas de pitié, hein. Merde. Les mammouths ont pas bronché, tant mieux. Enfin, pour l'instant, ils ont pas bronché. Ah, mes souhaits, excusez-moi. Alors, donc, du coup, on aura un écrit d'Azidal dedans. Dans ce petit coffre fermé en expert. Merde, bon, moi je sais c'est dans quel sens. Ah oui, effectivement, les réflexions de Chalidor. Diamant parfait. Minerai de folie, sympa. Botte elfie, enfin, en quelque sorte, c'est des bouts, oui. Elfique de feu atténué, ok. Et ça, on s'en fout. This is tout? Ok. Visibly, this is tout. So, I gonna see Ulag. In fort d'hiver. Lol. Je vais arrêter, ça va vous agacer sinon. Allez, on parle bibliothèque. Je suppose qu'il va y avoir des assassins de Boétia qui vont m'attendre encore. Carrément. La bibliothèque de Fort d'Hiver, c'est la salle d'attente des assassins de Boétia. Ils arrivent, ils s'installent, ils s'assoient carrément. Ulag les regarde mais il n'agit pas. Et ben quand j'arrive, il se lève en mode: Ah, vous êtes là, c'est mon rendez-vous, allez, je viens pour vous attaquer. Alors, est-ce que j'ai raison ou pas? Ouais. Oui, bah, au lieu de me donner des ordres, hein, c'est peut-être toi qui aurais dû t'en occuper. Alors, Chalidor. Chalidor, j'ai un bouquin de Chalidor pour toi. Vous devrez vous faire à mes règles en ce qui concerne les livres. D'ailleurs, en parlant des bouquins de Chalidor, livre, tac. Est-ce que le fait de lire, ça va m'apporter quelque chose? Ah, excusez-moi. Oui, allô? Oui, bonjour. D'accord. Ouais. Bah, tout dépenser combien parce que c'est déjà une grosse somme que je sors là donc
Après, par contre, j'ai pas utilisé la voiture pendant un bon mois là, donc là je la ramène chez moi et ensuite elle va plus bouger jusqu'au mois prochain. Donc au pire, je peux revenir le mois prochain. Bon, ça me dérangera pas, j'ai tout le temps libre après. Ok. Oui, voilà, envoyez-moi quand même un devis et puis je regarderai ça. Merci à vous. Me dis en à tout à l'heure, au revoir. Hop là. Et oui, et oui, et oui. Je suis en train de faire le changement des quatre pneus de ma voiture plus révision et il s'avère que j'ai apparemment les plaquettes de frein à changer sur la voiture, qu'apparemment ça devient urgent. Donc il m'a demandé si je voulais les changer de suite. Le problème c'est que je sors déjà un énorme billet pour la pour les réparations et même si comme il m'a dit c'est bah, ça pourrait abîmer les disques tout ça encore plus vu que j'ai pas utilisé ma voiture pendant presque un mois là, c'est peut-être pas nécessaire de le faire de suite. Donc je vais attendre que le mois d'août arrive. Ça sera plus simple pour moi. Voilà, donc continuons. C'était là. Merde, c'était pas lui, c'était lui. Effectivement, il est totalement illisible. Alors tiens, j'ai un bouquin Si vous pour n'aviez toi. pas été là, tout ce savoir aurait pu être perdu. Eh oui. Parfait. Je commence sa traduction. Je ne devrais pas en avoir pour plus d'un jour ou deux. Je viens tout juste de la voir. Je ne peux pas aller plus On lui vite. prend la tête. Mais vous savez quoi? On va avancer de 48 heures, hein? Voilà. Hop là. Oula, c'est quoi tout ce monde? Qu'est-ce qu'ils viennent tous faire ici? Il y en a un qui avait des yeux bizarres carrément. Donc là, ça devrait être bon, non? Archimage, si vous n'aviez pas... Évidemment, les mages doivent se rappeler de manipuler les matériaux de recherche avec... Nous avons pu Ah, voilà. déchiffrer le dernier texte que vous nous avez apporté. Le moins que je puisse faire, c'est de transmettre ce savoir. Guérison, augmentation jusqu'à 27 pour 27? Pourquoi? Ah, c'est ce qu'a porté le livre, pardon. Oula, j'étais vraiment à la ramasse. Battez-vous bien. Il n'y a pas d'autres bouquins à aller chercher? Et même si c'est vous qui l'avez écrit, si vous voulez un livre ici, il faut passer par moi. Battez-vous Ok, c'est bien. compris. Bon. Visiblement, pas d'autres livres de Chalidor pour l'instant. C'est par où je dois passer? Par là, je crois. Ok, bon, bonne chose de faite. Ensuite. Mshara. Examiner les donjons de Fort Dragon pour trouver des indices sur Mshara. Donc Fort Dragon, donc ça. Blanche Rive, j'y arrivais, décidément. Ok. Espérons qu'il ne lui soit pas arrivé malheur. J'ai demandé quand même pour la voiture à ce qu'il m'envoie le devis. Histoire de savoir à quelle sauce je vais te manger pour le remplacement des disques. Pourquoi je descends? C'est justement là-bas que ça se passe. Il a déjà envoyé, non, je ne crois pas. Bon, après le temps qu'il fasse la recherche. Tac. De toute façon, je recevrai une notification. Alors, ah, c'est à l'extérieur? Ben, pourtant, ça m'indiquait bien l'entrée, non? Ah non, c'est peut-être derrière. Oula, c'est vrai que bah, depuis le début du jeu, j'ai jamais mis les pieds ici. Le donjon. Bah, le donjon, il avait pas une autre entrée.
Aveu de Mshara. Ah, c'est caché derrière le truc carrément. Oh, il y a une pièce bizarre derrière. Clé de Mshara à jour. Ok. Mshara a apprécié son combat contre le garde. De plus, son nouveau foyer est mieux que l'ancien. C'est une toute petite cage, mais plus besoin de mendier pour manger, on la nourrit. Pour autant, Mshara veut revoir le ciel étoilé. Lorsqu'elle n'était qu'un chaton, les anciens lui racontaient que si elle fixait les lunes trop longtemps, ces dernières de honte se déroberaient à jamais à la vue de tous. Cette pensée lui fit de la peine. Elle se jura de ne plus jamais regarder le ciel et baissa son regard vers le sol, là où les mendiants vivent. Un jour, elle essaya de subtiliser de l'argent des poches d'une nordique nommée Tira. Émue par l'histoire de la Khajiit qu'elle venait d'entendre, cette dernière lui indiqua que les lunes n'étaient pas les créatures timides qu'elle imaginait. Elle lui dit que tant qu'elle garderait la tête haute, ces astres continueraient à briller autant que les étoiles. Depuis ce jour, elle passa sa vie à servir les dagues empourprées. Et lorsqu'elle fut prête, sa camarade de chambre lui forgea une armure d'argent. En son cœur se trouvait la pièce contenue dans la poche de Tira de nombreuses lunes auparavant. Mshara a caché l'armure dans une hutte au nord-ouest de Roritbourg. Parfois, Mshara rêverait de la récupérer et de la porter fièrement. Mais elle doit faire attention à ne pas laisser ses sentiments altérer son jugement. Mshara pense qu'elle est suivie. Elle va donc laisser l'armure à quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, ce n'est pas l'argent de l'armure ou la lueur de la lune dans le ciel qui importe à Mshara. Ce sont les amis qu'elle a perdus. Peut-être qu'elle les reverra dans la mort. Là, je vais quand même prendre les aveux. Voilà. Ok, donc il faut aller à proximité de Roritbourg. C'est visiblement indiqué sur la carte. Là-bas. On va se TP à Roritbourg et on va aller en direction de l'objectif. Voir un petit peu ce qui nous y attend. Bon, mon cheval attend là-bas, mais la flemme, hein, franchement. On se rapproche relativement vite quand même. Hop, esquive. Ouais, je l'ai chopé en l'air. J'ai chopé un Ragnar qui est parti en l'air, celui-là, là. On va récupérer quand même les queues. Je sais pas à combien je vais te manger pour les plaquettes de frein à changer. Il m'a parlé de avant et arrière. Je sais pas pourquoi, je suis revenu dans le truc, ça va me coûter encore 300 balles supplémentaires. Hé! Laisse-moi le temps d'entrer! Je suis toujours là. Déjà que les réparations de base Passez devant. me coûtent un rein. Poison, on va le prendre. Bon, l'un des décédés, malheureusement. Alors, les dagues empourprées, volume 2. Ok, on s'en fout. Il faut prendre la. Ah, faut vraiment prendre l'armure. Oh, la flemme. Ça pour ça quoi. Bon après je vais vous dire ça partira à la revente dans la foulée quoi. Ah, des petites ailes de papillon. On va même aller à Blancherive de suite pour aller revendre l'armure. Il n'y a pas l'air d'y avoir des trucs cachés dans le coin. C'est dommage que Lune soit mort, mais bon, hein, il s'est pris une flopée de Ragnar. What? Ah! Pourquoi une attaque?
Par les dieux, non! Allez, voilà, maintenant vous m'avez attaqué. Vous allez me le payer! Pourquoi ils m'ont attaqué, eux? Ça avait un rapport avec elle? Je leur ai fait du mal, vous croyez? Bizarre, bizarre. Bon. Bah écoutez, hein. On va aller à Blancherif, comme je vous l'avais dit. Il n'y a rien derrière par hasard. Non, visiblement il n'y a rien. Il y a un tertre là-bas, on va juste le débloquer. Le fort ici, on l'avait déjà découvert. Mais justement, c'est quoi, c'est, je crois que ce fort-là, j'étais passé justement pour récupérer l'arme que j'ai dans la main gauche, la coule sang. Ça faisait partie de la quête. Qu'est-ce que fout un chien de la mort ici? Ah ouais. Eh, hey, ça fait mal tes éclairs. Te relève pas. Non mais oh. J'aime bien le poison et l'antidote l'un à côté de l'autre. Oh, on a une trappe. Ruine moisie. Ah bah tenez, on tient ici notre petite exploration de l'épisode. Ah, t'es là toi. Alors voyons voir, c'est quoi ces ruines? Parfois ça paie pas de mine et ça nous embarque dans une aventure. Qu'est-ce que c'était que ça? Du sang mortel, je l'avais senti. Voilà. Voilà, alors. Tac, ça on s'en fout. Là on avait un maître vampire. Généralement quand il y a un élixir, c'est parfois il y a de l'eau dans le coin, mais là, peut-être là, il va falloir continuer par là. On a des drogueurs qui sont morts. Bien. Là, il n'y a rien, il y a ce coffre par contre. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une pierre de Wildkind et des bottes orques de silence. Sympa, c'est à prendre. Après, des bottes de silence, bon, je commence à en avoir un certain nombre. Hein. C'est pas non plus quelque chose de fou maintenant. Hop là, qu'est-ce qu'on a là? Là, on va passer par le petit passage qui est juste là. Bon, je suis d'accord, je suis désolé, mais là il y a un passage, non? Pour moi, il y a un passage. Bon, faut croire que non, mais ça m'intrigue. Je vais te voir un petit coup là, je fais un petit coup de TCL pour voir. Ah non, c'est vrai que je peux pas tomber. Non, effectivement, c'était bien la... c'est bien le vide. Ok, donc il n'y avait pas du tout de passage secret. Autant pour moi.
Ça, j'avais pas vu par contre. Voilà, je prends. Bah écoutez, en fait, c'était juste un petit donjon classique, hein. Quand même sympa. C'est haut, dis donc. Bon. Ok, et là-bas, on a un feu de camp. Donc, on va aller voir vite fait le feu de camp. Pas très loin non plus, d'ailleurs. S'il y a des ennemis qui vont m'attaquer, on va nettoyer ça en 2-2. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Ok, donc c'est bien ça. On va nettoyer ça. Allez, c'est parti. Ah, par contre, toi, t'as des flèches sympas, toi. Ça, on s'en fout. Fouf! Voilà. Le temps que les autres arrivent, hein. Tu vas me laisser tranquille, toi? Non mais oh. Et toi? Un cœur de ronce, voilà, parfait. Ah, une hache d'ébonite, ça je prends. Hop, merci. Il y a encore un ennemi dans le coin là-bas. Mais vous allez mourir. Visiblement, ça tire des flèches. On va laisser Aella s'en occuper un peu. Vas-y, attaque. Un petit coffre, un havresac, ça on s'en fout. Dix pièces d'or dans la bourse. Un espadon Dwemer, donc décidément il n'y a rien de fou ici. Hein. Je pensais qu'il y aurait au moins quelques lingots que je pourrais prendre. Mais même pas. Aella a du mal à s'occuper de l'autre. Vous avez gagné, je prends. Ouais, c'est pris une autre flèche d'Aella, elle l'a pas loupé. Ah, elle a aucune pitié. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Note de parjure. La matriarche se lasse de votre hésitation. Nous contrôlons tout le versant de l'est de la crevasse, à l'exception de garde-sol. Prenez le fort et les envahisseurs seront coupés de toute retraite. Mais nous devons agir tout de suite pendant que le lieu est prenable. Appelez les tribus, faites le nécessaire. Mais si vous ne bougez pas, nous trouverons quelqu'un d'autre. À vrai dire, je ne sais même pas pourquoi je m'emmerde à prendre le papier. Donc on a un beau coffre ici. Oh, livre de sort courroux de Mara. Pendant 30 secondes, les ennemis à portée de corps à corps subissent 16 points de dégâts de feu par seconde, et morts-vivants de niveau 26 inférieur, puis pendant 30 secondes. Mais c'est trop cool ce truc-là. Bon, c'était chouette ce truc. Ah, la potion, je la prends. La petite bourse, il y a combien dedans? 31 pièces d'or, ok. Alors, livre. Voilà. Tac. Ah ouais, il y a encore quelque chose qui nous attend, les amis, derrière. Regardez, on a l'entrée du donjon qui est juste là. Donc il peut y avoir peut-être une matriarche dedans ou des bandits classiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a une aventure qui nous attend. Au prochain épisode, on saura ça. Je vais juste explorer le au-dessus de l'entrée, voir s'il n'y a pas des petits trucs cachés. Parfois, ils aiment bien faire traîner un coffre ou un truc du style. Là, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Au moins comme ça, on est fixé. Alors, quel est le nom de cet endroit? Ruine de la falaise au serpent.
Eh bien, on va rentrer là au prochain épisode. Bon, en tout cas, j'espère que celui-là vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter, la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Allez, chaton, c'est Looping. Bye bye.